Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, je reviens pour cette vidéo où je vous ai demandé de poser des questions, mais c'est aussi pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces trois derniers mois. Voilà, je voulais vraiment vous expliquer la raison et aussi pour commencer cette rentrée. Déjà, bon courage pour ceux qui viennent de rentrer là, ou en école ou même au boulot. Bon courage à vous, hein, motivation. Mais aussi pour recommencer cette rentrée avec des nouvelles vidéos. Mais là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Et voilà, comme j'ai dit, la raison pourquoi il y a eu moins de vidéos ces derniers mois. Voilà tout ça. Et aussi, et à la fin, après mon explication, je répondrai aux questions que vous m'avez posées, vu que je vous ai demandé une FAQ, un ask, voilà, sur mes réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook et Instagram. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces derniers mois? Parce que là, j'en ai refait un petit peu, mais comme je vous ai dit, on va dire que les trois derniers mois, là, juste avant les vacances, j'ai arrêté de filmer. Donc déjà la première raison, c'est parce que là ça a été les vacances, donc du coup je me suis dit que j'allais faire moins de vidéos, vu qu'il y a peut-être moins de gens qui l'auraient vu. Mais la vraie raison pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos ces derniers mois, c'est parce que, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour ceux qui savent pas trop, mais du coup j'ai une hyperthyroïdie. Alors vite fait, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, une hypothyroïdie, en fait, c'est ma thyroïde qui déconne. Du coup, j'ai mes anticorps qui combattent, en gros, attaquent ma thyroïde, ce qui me provoque des grosses fatigues. Donc, il y a des moments où j'ai juste pas envie de bouger, j'ai pas envie de filmer des vidéos. Voilà, j'ai juste envie de rien faire parce que je suis tellement fatiguée et tout. La motivation n'est pas présente quand vous êtes fatiguée et tout ça. Et voilà, en gros, il y a plein d'autres trucs qui m'arrivent aussi. On va dire que c'est pas très grave. Mais en fait, la principale raison pourquoi je filme pas, c'est aussi à cause de ça, la fatigue qui est bien présente. Pas tous les jours, hein. Ça dépend et tout. Moi, voilà, aujourd'hui ça va à peu près. Il y a des jours où je suis complètement exténuée, fatiguée et tout. Pour ceux qui sont atteints de hypothyroïdie, vous savez ce que c'est. Et normalement il y a un traitement à prendre, donc le Levothyrox. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler à la télé. Voilà, ce médicament a fait un bad buzz. Et du coup, en fait, moi, mon taux de TSH, donc du coup, le taux d'hormones et tout, c'est ça qu'en fait, qui règle au niveau de la thyroïde et tout ça, il y a les hormones, donc si elle est déréglée, tout déconne. Et du coup, en fait, le mien, pour le moment, mon taux de TSH est, on va dire, ni bas ni trop élevé. En gros, je peux pas prendre le Levothyrox parce qu'il est pas assez élevé. Donc voilà, donc en gros, pour le moment, je vais voir et tout, mais ça après c'est personnel, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Mais du coup pour le moment je vis un peu avec. Des moments c'est pénible, franchement ça me gave. Voilà, là de pas avoir fait des vidéos pendant un petit moment, je vous avouerai que ça me manquait. Et du coup, mais comme je l'ai dit, quand je suis fatiguée et tout, j'ai pas envie de faire grand chose. Du coup, je filme pas de vidéos, voilà. Et sachez que les vidéos, voilà, de filmer des vidéos, les faire du montage et tout, ça prend du temps. Et que ouais, j'ai pas envie de dire que c'est vraiment fatigant, mais bon, ça prend du temps. Et que du coup, passer des heures dans un montage et tout, quand je suis complètement fatiguée, épuisée, ça me motive pas vraiment. Voilà, donc au niveau des vidéos, comment ça va se passer? En fait, ça dépendra de mon état de santé, de mon état de fatigue. S'il y a des jours, ça va, comme là aujourd'hui, ça va, vu que je suis en train de filmer, ça va bien. Je pourrais filmer
Et s'il y a des moments ça va pas, bah voilà. Donc du coup, mais je vais quand même essayer de. J'ai quand même envie de continuer à faire des vidéos, hein. C'est pas ça, je vais pas arrêter. C'est pas ça qui va m'empêcher d'arrêter de faire des vidéos. Mais voilà, c'est juste que ça sera. Il y en aura moins. Voilà. Aussi, pourquoi il y en a moins aussi de vidéos? Bah parce que je vais être honnête avec vous. Là, je commence à faire un petit peu le tour au niveau de ce que j'ai à dire sur Ghost Adventure, de ce qu'il y a à apprendre sur les gars, sur les missions et tout. J'avoue que là, ça fait 3 ans à peu près que j'ai créé cette chaîne et j'en ai fait pas mal de vidéos. Et là, ben, je sais pas trop quoi dire de plus, sauf si vous me donnez des idées, voilà, parce que là j'en ai d'autres vidéos, voilà, j'ai d'autres idées vidéo que j'ai marquées, mais je suis pas sûre si j'ai vraiment envie de les faire ou pas. Et au pire, comme j'avais fait sur Facebook et tout, ou même là sur YouTube. Mais du coup, pour le moment, j'avoue qu'au niveau vidéo sur JC France, parce que j'ai une autre chaîne aussi, et je vous en parlerai juste après. Pour le moment sur JC France, j'avoue qu'au niveau idée de vidéo, c'est un peu. Ben, j'en ai pas trop. Et puis bon, bah ben là, c'est un petit peu aussi la trêve au niveau des épisodes de Ghost Adventure et tout. Il n'y a pas grand-chose au niveau des news. Donc du coup, bah ben, j'ai pas de contenu à vous dire sur Ghost Adventure. Donc voilà. J'ai vu des questions. Donc du coup, je vais un petit peu vous répondre un petit peu à ce qui se passe dans Ghost Adventure avec les questions. Voilà. Donc. C'était voilà la raison, je vous l'ai expliqué. Si vous avez d'autres questions qui sont pas trop perso, parce que j'aime pas parler, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que moi je étale pas ma vie comme d'autres youtubeurs le font, hein. Moi je regarde des vlogs, hein, de youtubeurs, hein, je les critique pas, hein, voilà. Moi j'aime bien regarder les vlogs des gens. Mais pour ma part, moi, c'est pas mon truc et tout. Et voilà. Donc, c'est vrai que quand il y a des gens qui me posent un peu des questions perso, bah, je réponds pas parce que bah, je suis comme ça. Ça reste Ghost Adventure, paranormal et tout. Bref. J'arrête de blablater. Et puis, du coup, on va passer aux questions. Coup, je vais commencer avec les questions sur YouTube parce que c'est là où j'en ai le plus. Donc, et puis bon, on est sur YouTube aussi, hein, premier, first. Alors, nous commençons avec la première question. Alors, je lis sur mon téléphone, hein, comme d'habitude. Voilà, si vous me demandiez ou pas du tout. Alors, du coup, on commence avec la première question qui est de Julien Hervé. Alors, salut, quand on fait des enquêtes, on peut tomber mal. Ah oui, d'ailleurs, je me rappelle, voilà, j'ai demandé des questions sur Ghost Adventure, mais aussi sur le paranormal. Et voilà, donc, ou sur YouTube et tout. Donc voilà, il n'y a pas que sur Ghost Adventure. Donc voilà. Salut, quand on fait des enquêtes, on peut tomber malade quand on est handicapé, on le reste de l'autre côté. Et enfin, existe-t-il une loi de silence dans l'autre monde? Merci de tes réponses. Alors, quand on fait des enquêtes, oui, si tu as vu les épisodes de Ghost Adventure, oui, on peut tomber malade. Il y a des gens qui peuvent être, ça peut être grave, mais ça dépend de quelle enquête et tout. Mais les gars dans Ghost Adventure, des fois, ils le disent, ils se sentent malades ou pas bien, mais ça dure vraiment quelques minutes. Ça dure pas longtemps. En fait, c'est parce que les esprits, souvent, si tu vas dans des hôpitaux ou des endroits où il y a eu des malades, ou que l'esprit, la personne avant a souffert, était malade et tout, ce genre de choses, ouais, elle peut te faire ressentir ça. Ou les esprits démoniaques aussi, ils peuvent te faire sentir malade, voilà, parce qu'ils ont juste envie de te faire chier. Et du coup, ça peut arriver, mais je veux dire, ça dure pas longtemps. Après, s'il y en a qui vont dans des endroits hantés où c'est vraiment là qu'il y a des esprits démoniaques, voire des démons. Là, ça peut devenir dangereux si tu provoques par exemple et tout. Voilà, il y a des gens qui ont eu des arrêts cardiaques et tout. C'est rare. Voilà, je ne vais pas te faire flipper, mais c'est rare. Mais c'est arrivé. Voilà, Zach, il en avait parlé dans son bouquin. High Mountain, je suis en train de le regarder juste en face de moi, hein, le livre. Et du coup, il en a parlé, voilà, qu'il y a des gens qui ont fait des malaises, voilà, des AVC et tout.
Donc ça peut arriver. Mais après, c'est quand même assez rare. Sinon, comme je l'ai dit, juste les esprits te peuvent faire ressentir ce que eux ils ressentent ou ce qu'ils ont ressenti quand ils étaient vivants. Quand on est handicapé, on le reste de l'autre côté. Non. En fait, c'est ton corps qui a des problèmes. Voilà, si t'es handicapé, c'est ton corps, c'est pas ton âme. Voilà, si tu crois en âme, voilà, les esprits ont une âme. C'est juste ton corps, c'est pas ton âme et tout, c'est juste ton corps. Voilà. Donc du coup, bah si une personne qui est handicapée et qui décède, bah, après dans l'au-delà, bah, il sera pas handicapé, voilà.